Als vogelliefhebber heb ik me vaak afgevraagd hoe de wereld er door de ogen van vogels uitziet. Ik zie ze in Nederland, tientallen soorten trekvogels, maar waar zitten ze in die andere helft van het jaar, in onze winter? Een deel trekt naar de Sahel in West-Afrika. Ik reis er naartoe met model en influencer Lauren Lewis op zoek naar een bijzonder verhaal over vogels en mensen. De vogels leven tussen de shea-bomen. De bron van shea-boter die wereldwijd in verzorgingsproducten wordt gebruikt. We gaan mogelijkheden zien om het landschap te herstellen waar vogels en mensen van profiteren. Kijk jongens, birds. Zie je ze? En wat verwacht je hier nou eigenlijk te zien voor soort vogels? Ik hoop heel erg de vogeltjes. Kijk, daar hebben we weer een bonte kraai. Ik hoop heel erg de Europese vogeltjes. Hè? De bonte vliegenvanger, gekraagde roodstaart. Die echt die tocht hebben gemaakt van Nederland. Helemaal die Sahara over naar West-Afrika. Je moet je voorstellen wat wij in, wat is het, plusminus 6 uur gevlogen hebben. Dat doen die vogels een paar weekjes over. En de eerste plek waar ze zich na die tocht over de Sahara kunnen voeden is hier. Is dat hier? Oh. En dan is dit echt wel een mooi stukje groen land. We hebben eigenlijk onderweg tot nu toe vooral heel veel uitgeput landschap gezien. Ja, het is hier inderdaad wel wat groener. Maar ik moet wel zeggen, ik vind het stil. Mijn eerste indruk is van, ik had wel verwacht iets meer levendigs in de lucht en rondom de bomen te zien. Ja. Het landschap wordt zo intensief gebruikt dat het uitgeput is. De shea-boom is hier heel belangrijk en kan de sleutel zijn voor herstel van dit mooie stuk Afrika. En daar profiteren ook de vogels die hier overwinteren van. We belanden in het dorp Kamfihili. Waar we mensen zullen ontmoeten die zich inzetten voor een gezonder landschap. We worden met open armen ontvangen. En we gaan op audiëntie bij de dorpsoudste. That is the symbol of the happiness. So when you are a stranger and you have been given this, it means that you have been totally accepted. Ooh, that wonderful. Is the symbol. Oh. It's really beautiful. Yes, beautiful. We're grateful that they already accepted us. Okay. And if this is a sign of happiness, yes, then no matter how bitter it is, I will eat it till the end. Oh, waar ben ik aan begonnen? Good. Thank you very much. You guys, Kamfihili is giving me a good feeling. Kamfihili is giving me a good bitter zoete welkomstnoot en uitbundige muziek duiken we dieper in de wereld van de shea. Peter Lovett woont al decennia lang in de Sahel en hij weet als onderzoeker alles van dit natuurlijke goud van Afrika. Hey. Nice to see you, Peter. Peter, I'm a birder, and concerning bird migration, when the birds go to West Africa after their long journey over the Sahara, this is actually the first place where they can find food, insects. But when I look at this landscape, Peter, it doesn't look good. What's going on? As you can see, this is a bit of a sheer desert. Yeah. Only sheer trees. And what's happened here in the last 20, 30 years is there's been a conversion from a farm fallow rotational cropping system into this permanent farming. Yeah. So then they've cleared out all the other trees, all this mosaic of biodiversity has gone. The land is farmed every year. As you see, there's no young trees at all, and there's very few other species around. Yeah, and when you arrived in Africa, Peter, was it the same way or was it more lively? In the mid-90s, when I arrived in North Ghana,
we had a much higher tree cover, much higher diversity of trees, yeah, and this patchwork of fallow and temporary farms. But now it's all changed. Everybody's expanding their farming into the landscape, yeah, using tractors, using chemicals. So if there's not enough insects, we're losing the birds, we're not getting the shear crop, and that's a problem. Breaking the circle of life, basically, yeah. All this land is getting sold up for building plots, all the trees are getting cleared for that, or for farming, and then the trees are getting used for wood fuel, and there's nothing replacing them. There's no tree growing going on. Yeah. Cutting trees is only a problem when you don't have trees growing. Yeah. So without trees growing, it's a problem. We're talking with these communities, and I think they are now realizing the problems. I mean, we've been working in this village, Camphihilly, yeah, and I think you're hearing the people say how concerned they are, but they don't know how to raise native tree seedlings. They don't know how to plant them. But we can bring that knowledge in and explain the process to look after the trees. And in two or three years' time, we can get trees established. And in 10, 15 years' time, they can be producing fruit or firewood, and we can get the system restored. So there is hope. There's a lot of hope. Yeah. Het succesverhaal van de Shea-wereld is er een van ondernemende vrouwen. Zij verzamelen de noten en verwerken het tot waardevolle Shea-boter. Hi, nice to meet you too. Een intensief en langdurig proces waar veel brandhout voor nodig is. Asita, can you explain to me what is going on in the background? What's happening? Okay, dernièrement, nous avons un groupe de femmes qui sont en train de faire la cuisson du beurre de karité avec des foyers trois pieds. Mm-hmm. Vous voyez, c'est le bois qu'ils sont en train d'utiliser avec le vent qui souffle, ça fait transporter, il y a beaucoup de fumée. C'est un travail assez fastidieux, très fatigant. And what kind of wood are they using to make the fires with? On pratiquement un peu de tout. Il y a du bois de karité, du bois de méré, un peu tout ce qu'ils trouvent dans la brousse qu'ils peuvent brûler. So if I understand correctly, they cut down a shea tree, mm-hmm, they burn the shea tree, mm-hmm, for the process of making shea butter. Mm-hmm. Bon, c'est une utilisation qu'ils font, mais c'est pas normal. C'est pas une bonne chose. On a besoin du fruit si on doit aller utiliser le bois encore du même arbre pour faire la production. C'est pas du tout normal. It's a bit like burning your own roof to have, you know, warm hands. It's a contradiction. Exactement. Voilà. Can you tell me something about the process of burning? Because I've seen stoves, and this is with stones and with wood, and I wonder why there's a difference and what is the best way. Une grande différence entre le foyer à trois pieds et le foyer amélioré. Celui qui utilise le foyer amélioré peut économiser environ 60% du bois. Si par exemple tu dois utiliser 100 kg de bois avec le foyer trois pieds, avec un foyer qui est amélioré, tu peux utiliser 40 et économiser les 60 là pour faire autre chose. En plus de beaucoup de bois qu'on utilise dans le foyer trois pieds, il faut dire que de nos jours là, c'est difficile même de trouver le bois. Et avec la pression démographique et l'urbanisation, le bois c'est de plus en plus loin. C'est difficile d'en avoir pour aller chercher du bois. C'est pénible, c'est assez lourd, c'est fatigant. Et on se salit plus avec le foyer trois pieds. Celui qui utilise le foyer amélioré, il n'y a pas beaucoup de fumée. La personne est propre, il fait son travail. Travail économise le bois puisque le foyer même ça permet de conserver la chaleur. Si tu atteins un certain niveau de préparation, tu peux retirer tes bois, éteindre et puis la chaleur est toujours dans le foyer et ta cuisson peut continuer à feu doux. C'est comme tu diminues un peu ton gaz. So it's very important to swap the three stone stoves, mm-hmm, for the efficient stoves, right? C'est vraiment important. Ça va diminuer le travail des femmes, ça va aussi diminuer la pression que les gens font sur l'environnement. We beginnen anders naar het landschap te kijken.
Het oogt pittoresk, maar de oprukkende bebouwing en intensief gebruik van het land worden steeds beter zichtbaar. Het is allemaal zo fragiel. Een oogst die mislukt of regen die te laat komt, levert onmiddellijk problemen op. Naast de landbouw zijn andere inkomsten nodig. De shea-boter die door de vrouwen wordt gemaakt, maakt de economie hier robuuster, de vrouwen zelfstandiger en de samenleving sterker. So I know what the final product of shea butter looks like, but I have never seen it in this state. So I would like to know what exactly are we doing here and what like stage of the process is this? Les femmes sont en train de faire la production. Mais pour avoir le beurre de qualité, il faut commencer comme ça. C'est la pâte. Tu vois qu'elle est en train de battre. Elle va battre comme ça. Après, l'enlever, laver, préparer, cuire. Et puis maintenant, ça va devenir le beurre de qualité. Il faut faire. C'est beurre de qualité. Je me pomade avec ça. Je mets ça dans mes cheveux. Je mange. Je fais tout avec, je mets, c'est le beurre de qualité. Donc nous, on consomme d'abord, ici ça reste, on va aller vendre. C'est comme ça pour chercher l'argent. C'est un secret comme ça, je te donne ma fille. And so what does this, like making this product, this labor, mean to these women here? Because I'm only seeing women like doing the hard labor, so I want to know what does that mean to them to be able to create this product? La qualité. On ne peut pas recueillir, c'est Dieu qui nous a donné. On va accueillir, on va travailler comme ça. C'est fatigant, mais on gage l'argent dedans. C'est avec ça, on met nos enfants à l'école, on se soigne, on fait tout. En tout cas, la femme, le beurre de qualité, c'est son travail. Et on soigne. La maman la va poser dedans. Si quelqu'un se blesse, c'est ça qui va soigner. On mange et puis on fait tout avec le beurre de qualité. Donc il y a la place de la femme, c'est à côté du beurre de qualité. C'est un don de Dieu. I feel like it's such an important ingredient that you use for many different purposes. Like for example, I only know how to use it for my hair. That's what I use it for. But we don't, I've never used the product in a raw version. So I'd like to try that for sure. Tu m'excuses, hein? Mm-hmm. Ok. C'est bon? Oui. Tu peux mettre comme ça. C'est bon? Oui. Oh. It smells so good. Mm-hmm. C'est naturel. On a rien, mais... Love naturel. It, love it. I need this. I need to take this home. It's really c'est good, bon. Yes. C'est naturel. Thank you, thank you. Bijna alle bomen die hier nog staan zijn shea-bomen. Die bomen worden als laatste gekapt. De shea-boom is afhankelijk van bijen om bestoven te worden. Die hebben een landschap met veel meer andere bomen en planten nodig om te overleven. Met Lauren ga ik op zoek naar de bloemetjes en de bijtjes. We spreken met Arjuma, die ons vertelt waarom bijen zo belangrijk zijn voor het landschap en de biodiversiteit. And is there enough biodiversity when I look at this? This is degraded landscape. And what I'm used to in the Netherlands is a lot of flowers and a lot of colors. Ici, on ne peut pas dire que la biodiversité est déjà présente. Parce que quand vous regardez là où nous sommes, nous ne voyons que des plants de Nîmes. Le Nîmes, il va finir sa floraison bientôt. Mais nous avons besoin d'avoir plusieurs types de fleurs. Pas un seul type de fleurs, beaucoup, mais plusieurs types de fleurs qui sont parsemées dans la nature. C'est ça qu'on va appeler la biodiversité. C'est pourquoi il est toujours important qu'on puisse planter des arbres qui ont des temps de floraison différents. What do the bees mean for the shea tree? Les abeilles sont très importantes pour l'arbre à qualité. Parce que les abeilles constituent les pollinisateurs de l'arbre à qualité. Alors si, en absence des insectes, puisque les abeilles ne sont pas les seuls insectes, en absence des insectes, l'arbre ne produit pas bien de fruits. Mais quand les insectes sont sur l'arbre, l'arbre peut produire plus de deux fois de fruits grâce à la pollinisation des abeilles et des autres insectes. With this agroforestry system, it actually means that the people can have an income all year round. Oui, c'est très vrai, parce qu'avec le système agroforestier, on peut vendre chaque fois des produits forestiers non ligneux et avoir de l'argent. Donc c'est une source de sécurité
pour les femmes en particulier. Le système agroforestier marche quand il y a la biodiversité. Mmh. Et quand il y a cette biodiversité, effectivement, on peut récolter plusieurs produits forestiers non ligneux. On peut récolter plusieurs récoltes à la fin, tout au long de l'année. Donc c'est très important pour les hommes, c'est pas pour les abeilles seules. Tout le monde. Tout le monde. Hoe bizar is het om te horen dat de bomen die de cheanoten dragen worden gekapt om cheaboten te kunnen maken? Pieter vertelde het eerder al, het kappen van bomen is een probleem als er geen nieuwe bomen groeien. Maar door grazende geiten en schapen groeit er bijna niets meer vanzelf. Het aanplanten van bomen is een oplossing, blijkt als Asita ons in een kwekerij vertelt hoe dat kan worden aangepakt. On commence par cette planche, on a une pépinière de qualité. Voilà, ça fait 7 mois qu'ils sont sur place. Vous voyez, voilà. Les plants sont ici, on les arrose matin et soir. Voilà. Avant le soleil, avant la levée du soleil et avant le coucher également du soleil. Si. This is like a small shea tree and it's in a bag. C'est pour le nourrir parce que c'est contenu, c'est l'entretien. Ici c'est comme on est à l'hôpital d'une plante. On prend soin de lui depuis l'étape de la graine. C'est ici et dans le pot, la plante a tous les éléments nécessaires dont il a besoin pour pouvoir grandir. C'est lorsqu'il va atteindre un certain taille, on va amener dans le champ, faire un trou. Et puis enlever le sachet là et mettre la plante dedans avec tout le substrat qui existe déjà. Voilà. Et puis c'est des sachets qui sont biodégradables. Ça se dégrade avec le temps. So we heard a lot about the shea trees, but Eddie and his birds obsession, we'd like to know if there's any tree that the birds love that we can share and talk about. Vous pouvez venir avec moi, je vais vous montrer. Oui. Dat de ene boom de andere niet is, dat wisten we wel. Asita laat een paar van haar favoriete bomen zien, zoals de witte acacia, die ontzettend waardevol is voor vogels en insecten. So Asita, you brought us to this tree, and why is this so important to the birds? Dans cette pépinière, nous avons le Federbia albida, ou encore appelé acacia et albida. Voilà, c'est assez important pour les oiseaux, de un pour la sécurité, parce que ça a une grande taille, les oiseaux se sentent en haut. Et aussi, c'est un arbre aussi qui est beaucoup fréquenté par les insectes. Pourtant, on sait que les oiseaux aussi aiment les insectes. Donc, ils vont sur l'arbre là pour manger les insectes, surtout les oiseaux migrateurs qui sont des insectivores. Pratiquement tout le monde connaît ça et c'est pas un arbre qu'on coupe. C'est comme le karité aussi. C'est bon pour l'agriculture, c'est bon pour les oiseaux, parce qu'il y a des insectes, c'est haut, c'est la sécurité, aussi c'est bon pour les animaux. Do you have a favorite tree? J'aime le karité, comme toutes les femmes. Merci à vous d'être venu, merci. Onze reis zit er bijna op. Wat zijn we van deze mensen gaan houden en van dit landschap? Maar een van de belangrijkste dingen hebben we nog niet gezien. Hoe de cheanoten echt van economisch belang zijn. Daarom bezoeken we de regionale markt en gaan op in een zinderende massa van geuren, kleuren en geluid. En wat is dit? This one. Cheanuts. Cheanuts. Dat is het niet te weten. Hebben we de cheanuts in hand? Ik heb ze eigenlijk nog nooit echt gevoeld. Nee, ik ook niet. Yeah. So how do you know, Sedu, that these are good cheanuts? If it is black, it means not that good. It's not good. Yeah. Hey, by the way, it is very clean like this. Very clean. And how much? How many nuts do you need to create, say, a small pack of shea butter? We need one bowl of shea nuts. They will make it full and put the hand by it. Yeah, okay. To make it more full. Really? You can do that. So I go like this. So even more, so you can. Yeah, more. It sounds like cheating. Yeah. Sedu?
So, the prevailing market price. Now, do them wat meer in. So this is like one bowl. That's the prevailing market price. So if you have very, very big hands, you're lucky. You are lucky. Yes. How much butter can you make from one bowl? 1 kilo. Oh, just 1 kilo. Oh, yeah. Oh, from one bowl you make 1 kilo, of chia butter. Yes. Oh, okay. That's best not fail. No, my dear. I thought so, right? That dacht ik ook. So, you see that this is calabash. Yeah. Unlike the boxes. But this is a traditional way of packaging shea butter. When we were children, this is how they used to do it everywhere. Yeah. Until quite recently. This is a good quality butter. And is this the same stuff as Lauren would buy back home? Like in a jar? Yes. The same stuff? Yeah. And what happens is that this one, they don't measure it in kilos because it is traditional. In a calabash? They just look at the size. Oh, really? Yeah? Yes, it is the size that... So you basically buy a big bowl, and the bigger the bowl, the more money. The bowl, more money. Wat vind je hiervan dat je dit zo ziet? Zo'n enorme... Ja, prachtig. Dat is toch cool? Yeah. Oh, wow. Really? Yes. Amazing. Mm. Sometimes they carry it to far distance. And like what kind of distance are we talking about? Be walking what, like a couple of kilometers? Yeah. That's if they didn't buy it. She will have carried like this into a tricycle and then it will carry it back home. Then the next market day she will bring it back again. Many, 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 much, much, much respect for the women of Ghana and Burkina Faso. Yes. Wat een respect hebben we gekregen voor deze mensen, hun manier van leven. Wat is het kleurrijk en sociaal warm hier. Maar ook, wat een kwetsbaar bestaan in een wereld die verandert. Klimaatverandering hakte hier stevig in. Het landschap is niet meer veerkrachtig. We hebben gezien hoe dat anders kan. Hoe natuur de bondgenoot van mensen is. Voor een groenere toekomst voor mensen en vogels. Lorne en ik kijken nu ook anders naar die bonte vliegenvangers en gekraagde roodstaarten hier in Nederland. Hun verhaal is ook het verhaal van de Shea en van de vrouwen in West-Afrika. En dat heeft diepe indruk op ons gemaakt. Ik ben echt van deze mensen gaan houden. Jo, dat gaat met zoveel hart en ziel en passie. Geven zich volledig over aan dat... het proces van shea butter. Ja, dat is zo belangrijk voor ze. Dus kijk, we kennen het hoe het, als het in de schappen ligt en ik gebruik het als super lang. Ja. Dit is toch wel heel indrukwekkend om te zien wat dat voor hen betekent en dat proces en alles. Het hele verhaal wat erachter schuil gaat, dat vind ik bizar. Dat staat haaks op eigenlijk het potje wat je in een winkel koopt, waarvan ik altijd dacht dat het komt ergens uit de fabriek. Ja. En hoeveel liefde daarin zit, hè? Want natuurlijk, het is belangrijk voor ze, maar vooral de passie, hoe ze het maken, daar gaat ziel en zaligheid in. Ja, het is voor mij ook een enorme wijze les. Hoe ga je met je omgeving om en wat voor effect heeft dat? Dat is gigantisch. Ja, dus en de natuur en de vogels en de insecten, dat allemaal eigenlijk in een product zit wat jij koopt. Wat jij hebt, heb ik ook. Ik ben echt wel gewoon verliefd geworden op deze mensen. Ja. Die met zoveel liefde en kindness, weet je, continu lachen. Ja. Gewoon naar ons ook hun energie sturen, zeg maar, gerust. Ja, heel speciaal. Ja, dit vergeet je echt nooit meer. Nee.